Implantée depuis 1861 sur les berges du plan d'eau, la Société des régates Messines est l'un des plus anciens clubs d'aviron de France. Il compte aujourd'hui plus de 250 adhérents. Une pratique accessible dès 13 ans, en solo ou en équipage, l'aviron requiert de nombreuses qualités. Du perfectionnisme, de la persévérance et puis de l'esprit collectif. C'est des qualités primordiales pour faire de l'aviron. Aimer aussi être à l'extérieur et puis se dépasser parce que c'est un effort qui demande beaucoup de dépassement dans la douleur. Donc là, c'est pas mal ce que vous faites au niveau de ce contraste. Simplement, si on calme le replacement, c'est pour avoir le temps de mettre la pelle directement dans l'eau avec plus de précision. C'est une aide à se construire et donc à anticiper aussi les périodes stressantes dans les périodes d'examen scolaire. Là, ils apprennent en compétition, ils apprennent en entraînement à gérer leur stress. Pour ces jeunes, l'activité se pratique en plein air en toute saison. 4 à 5 entraînements par semaine sont obligatoires. Je suis au lycée de Cormontaigne où on a justement des horaires aménagés pour pouvoir pratiquer l'aviron en plus, des études. Dans l'aviron, pour gagner justement, il faut qu'on se déchire. C'est nous, c'est notre bateau, c'est pas les autres. Que tous, on vienne aux entraînements régulièrement, qu'on s'arrache, qu'on se donne à fond, quoi. Si vous y allez tranquillement, vous laissez une opportunité aux autres de vous dépasser, hein. D'accord ? Dès que vous avez fini votre coup de rame, on se repositionne pour mettre la rame tout de suite dans l'eau. Vous comprenez ? La lâche, et on la reprend par les jambes. Attention ! Partez ! Allez, termine l'arrière, hop ! Un sport nautique qui séduit aussi les filles. Depuis 3 ans, Elisabeth est barreuse. C'est elle qui donne les instructions pour, par exemple, les entraînements. Pendant les courses aussi, c'est vraiment quelqu'un qui est important pour les filles ou les garçons, qui est là pour les soutenir, pour les dire où ils se situent dans la course. L'aviron, Isabelle l'avait découvert lors de ses études en Angleterre. Depuis 3 ans, elle pratique de manière intensive et s'est lancée dans la compétition. On revient d'une compétition avec la médaille de bronze des championnats de France Master. On est heureuse sur un petit nuage depuis 2 jours. Ça me déstresse, c'est un moment de plaisir avec mes camarades. C'est technique, donc il faut se concentrer. On peut s'améliorer en permanence, les conditions sont jamais les mêmes. Conditions climatiques, conditions l'esprit d'équipe, tout change en fonction de la composition du bateau aussi. Et voilà, on remet toujours ça, et c'est en pleine nature. C'est apaisant, on pense à autre chose. Un sport à découvrir gratuitement aux régates Messines, tous les samedis après-midi de septembre, pour les jeunes de 13 à 18 ans.